Salut. Bonsoir. Je vais vous parler des blocages. Beaucoup d'entre vous n'êtes pas encore conscient que vous êtes bloqué. On commence à voir que je suis bloqué. Vous savez, le blocage ne vous demande pas votre avis. Tu peux te rendre compte que tu es bloqué à 40 ans. Tu peux même mourir sans te rendre compte que tu étais bloqué. Tu peux te rendre compte que tu es bloqué. Tu commences ton traitement, tu commences à te débloquer et après tu abandonnes. Tu dis, ah, c'est trop dur. Tu pars à l'église, tu pries. Tu pries. Tu fais 2 semaines. Après, tu dis, ah, moi, elle est cette église-là. Pas à l'église, tu fais 6 ans. Les démons n'aiment pas quand vous priez. Je n'avais pas prévu de faire un direct. Mais j'ai une dame. Elle m'a envoyé son message ce soir. Et elle était presque en larmes. Quand cette dame m'a contactée, ça fait 4 mois. Elle était dans le blocage plus. Tu vois un degré de blocage que tu ne comprends même pas d'où ça sort. Et toi, tu ne le savais même pas. Elle a fait le kit de déblocage, elle a fait le kit fondation, elle a fait le kit attraction, elle a fait le kit commerce. Non, célébrité. Il lui reste le kit commerce qu'elle veut acheter. Bonjour à tout, bonsoir à tout le monde. Elle a fait 2 lavages. Quand vous commencez parfois, vous faites un truc, après vous fatiguez là. Le travail spirituel pour te débloquer, c'est le travail. M'a pas appris 8 ans. Avant qu'il commence à voir, jusqu'à. J'ai pas qu'un endroit, même mon papier comme ça, là, on m'accepte aussi. Tout m'a pas été bloqué. Tu arrives dans un pays, c'est quand tu arrives qu'on ferme le réseau. Tu arrives quelque part, c'est quand tu arrives qu'on a fermé. Elle me dit. Parce qu'avant, elle payait des petites dîmes. 10 euros, 20 euros, 27 euros. Elle me dit, j'ai fait une recette de 1000 euros. Lundi, quand la banque ouvre, je vais partir payer, mettre l'argent là-bas dedans pour transférer et faire ma dîme. Je vois là, ma marrante, je ouvre partout. Je vois, son esprit était tellement high. Ces 1000 euros-là, elle dit que ça fait au moins 6 mois qu'elle n'a pas fait les recettes de 1000 euros. Devinez ce qui se passe. Aujourd'hui, le bandit entre chez elle, prend son sac à main. Donc, il laisse la télé, il laisse les téléphones, il laisse tout. Il prend le sac là où il y avait les 1000 euros. Il retire 1000 euros. Il ne touche rien à la maison. Il prend ses 1000 euros. Il ne se tourne pas. Avec ses cartes bancaires, bien sûr, il ne va rien faire avec les cartes bancaires. Elle m'appelle, elle est en train de pleurer, presque en train de pleurer. Je ne comprends pas.
Je voulais finalement payer ma dîme. J'ai seulement dit que ma chérie, tu ne connais pas dans quoi tu te trouves. Tu m'entends dire que depuis 6 mois, tu n'as pas, que 1000 euros n'ont pas touché ta main. Voilà ça qu'en une semaine, vous êtes en combien de jours? 1000 euros de commande, tant. Jusqu'à tu t'apprêtais à faire la dîme de 100 euros de dîme, alors que depuis tu payes seulement les 20 euros. Depuis 5 mois, tu payes les dîmes 20 euros, 10 euros, 16 euros, 27 euros. Il dit que ma chérie, le combat dans lequel tu t'es aventuré, nobismo mata. Nobismo mata. Vous avez les entités qui vous bloquent depuis le genre que il y a un certain montant qu'on a dit que tu ne dois pas avoir dans ta main en une fois. Il y a une autre qui m'a donné un témoignage, elle me dit. Juste en passant, j'ai dit à celle-ci qui témoignait qu'on a volé son argent. Je lui ai dit, quand tu vas arriver chez à la police pour faire la déclaration, fais la déclaration seulement pour demander ta carte à la banque. Ne fais pas le genre de déclaration que tu veux dire, oh, on m'a volé. Même ton mari ne connaît pas comment tu as fait pour attirer les 1000 euros là. Ils ne connaissent pas le genre de déclaration de minuit que tu as fait. Ils ne connaissent pas le nombre de seaux de pipi que tu as pour te laver avec. Pour débloquer ton étoile. Il dit que ma chérie, tu pouvais sentir les 1000 euros si comme ça venait, non? Elle dit oui. Tu m'as dit que la semaine passée, que tu sens la Range Rover qui vient, non? Elle dit oui. Je dis, oh, d'accord. Voilà ces autres voix là-bas qu'elle n'a même pas écouté. C'est quand tu es au milieu de ta réussite que tu vas voir le Wahala, le Helele. Comment quelqu'un peut entrer dans ta maison avec tout le salon, tout ce qu'il y a dans ta maison? Ces gens, ils entrent, ils volent quelque chose au salon, toi tu es dans la chambre. Il prend le sac à main. En sortant, il jette le sac à main dehors. Il prend seulement ton argent avec tes pièces. Je lui dis, ma chérie, 15 000 euros arrivent. Ça, c'est la blague. Considère que tu allais cadoter, tu as fait cadeau à un mendiant, tu as fait le don dans un orphelinat. Je lui ai dit, comme je vous dis là, que si tu as pu attirer 1000 euros et tu as senti que le Range Rover est venu, laisse l'argent là partir, relâche. Considère que tu as prêté ça à quelqu'un qui ne t'a pas remboursé. Parce que l'ennemi veut te détourner de ton travail spirituel. S'il peut faire que les paroles qui sont dans ta bouche changent comme ça, là, que cric. Ah, moi je suis trop bloqué dans ma vie, vraiment. Comment peut-il prendre mon argent? Moi, ça n'arrive qu'à moi. Je suis malchanceuse, je suis poisseuse. Vraiment, ma vie ne va jamais changer. Vraiment. Comment j'aime. La reine Jocelyne parle trop, les trucs, elle ment. La femme la ment. Elle fait jamais payer les dîmes. Elle ment. La femme la ment. J'ai cru que je pouvais avoir le Range Rover. Vraiment, je suis bête. Comment est-ce que j'ai même pu croire que je peux? Ça fait 10 ans que je suis en souffrir. Ah, pardon, je ne passe même plus sur sa page. Attends, il n'est pas me désabonner. Tu viens de Guilty Girl Academy. Voilà. Écoutez, hein, si votre jour n'est pas encore venu, ça arrive. Vous allez venir sur ma page pour enlever, pour me bloquer, pour enlever, pour vous venir sur ma page. Je vous dis. Que j'ai cru dans ces choses-là. Jusqu'à j'ai donné l'argent à l'orphelinat. Et puis elle m'a dit. Ah, tu veux m'envoyer comme pâte sur la tombe de ma grand-mère pour faire les trucs. Pardon. Ma chérie, tu étais à deux trucs. Il reste seulement deux choses pour que tes 15 000 euros soient débloqués chaque mois. Tu étais à deux pas. Deux. Et l'ennemi connaît.
Donc voilà, tu retournes dans ton petit salaire, 1500 euros le mois. Quand je pense que j'ai même cru que je pouvais avoir 20 000 euros le mois. Quand je pense qu'elle a cru qu'elle pouvait payer la maison aussi. 200 000 euros en 2 ans. Tu tapes même encore 6 mois avant de croire que quelque chose est possible. Pour le bain des urines, calcule 3 heures. Parce qu'à 3 heures, il y a quand même un peu de pipi dans ta vessie. Tu te lèves à 2h45. Quand tu pisses, tu prends un quart de verre. Faut pas sentir le pipi dans le lit. Tu retournes te coucher, ton mari, tu prends... Un quart de verre, tu mets dans 5 litres d'eau. Tu pisses, tu te laves avec, tu verses le reste. Le lendemain, tu pisses, tu te laves avec, tu verses le reste. Le lendemain, tu pisses, tu te laves avec, tu verses le reste. C'est comme ça. Il y a une autre qui me dit ceci. Elle a fait sacrifier un bouc au village. Hey! Le blocage de la femme, là, c'est aujourd'hui qu'elle m'a même dit que son beau-père lui avait dit qu'il va la bloquer. Vous, là, quand vous venez avec vos démons, vous ne me dites pas. J'ai pris le sacrifice de la femme là comme ça là. Ah! Mamma mia! J'ai fait le sacrifice de la femme, le palu m'attrape sur le champ. Je suis encore sur l'hôtel, sur le lieu sacré. Ah! Le palu me prend en pian. Et pas me coucher. Il dit que c'est quoi cette affaire-ci? Il lui dit que ma chérie, tu sais quoi? Fais encore l'autre. 2 semaines plus tard, je n'ai pas encore fait. Quand il fait l'autre là, ça passe. La semaine où j'ai fait son sacrifice et je l'ai lavé, elle a rêvé. Elle a vu le chat qui sortait de sa partie intime. Le chat. Écoutez, c'est là parce que je crois qu'elle va sûrement faire des soirées où je donne vos témoignages ici pour que les gens comprennent. Tu veux dire les myomes dans ton ventre, les kystes, les choses. Quelqu'un est parti au village là-bas, il s'est assis sur ton ventre. J'avais fait le lavage ici une fois. Comme je fais souvent les lavages, je mets la vidéo à la maison, vous voyez ce que je fais. Hop. La femme reste chez elle à Paris. Elle met ses pieds dans l'eau. Elle suit tout ce qu'elle dit. Elle parle, elle parle, elle parle. Elle finit de parler. Elle prend le téléphone et me fait le voice. Oh la reine, vraiment, merci pour ton lavage. Ça m'a libérée. Le prochain voice, j'entends le démon qui est en train de parler. Entends le démon qui est en train de parler. Je vous avais fait écouter ça ici, ça fait peut-être 3 semaines. Le démon parlait dans sa bouche là. Que pourquoi tu pries pour elle? Pourquoi tu pries pour elle? Que la reine ne me tue pas, ne me tue pas. Écoutez, j'ai le remède de vos démons. Que Dieu m'accorde seulement le temps. Parce que parfois, je suis saturé. Donc, quand quelqu'un me contacte, il me dit que consultation, il dit que papa, pardon, si je peux prendre le lavage, envoie ta photo, je te lave. Envoie ta photo, je te lave. Parce qu'il faut le lavage. Je peux laver même 70 personnes par jour, ça ne me dérange pas. Mais les consultations, là, c'est chaud. J'ai même augmenté le prix, même comme ça, là, même le temps, là, encore, c'est chaud. Le démon dit que c'est moi qui la rends pauvre. Je suis un serpent dans son ventre. C'est moi qui la rends pauvre. J'ai bloqué ses affaires. C'est le démon qui parle, oh, c'est pas moi. Je vois qu'elle est rentrée parce que le téléphone est au Cameroun. Quand elle veut rentrer, je vais prendre le téléphone. Je vais encore chercher l'audio là, je vais vous faire jouer ça. Parce que c'est moi qui la bloque depuis des années. C'est moi qui la bloque. Cette dame que j'ai fait son sacrifice, elle me dit, quand elle a rêvé que le chat sortait de sa partie intime, elle a rêvé que le serpent est resté. Donc il y avait le chat et le serpent. Le chat est sorti, le serpent est resté. Et la paix, je ne l'ai pas touché. Comme je vous dis souvent que le travail à distance là. Si vous venez au Cameroun, vous ne me trouvez pas. Ne me forcez pas à rester au Cameroun. Je vais te voir, je vais te voir. Si tu viens, tu veux forcément me voir, je te rembourse ton argent, tu pars. Je reste au Cameroun, je guéris les gens à Paris. Je guéris les gens à Washington. Tu es au Cameroun, tu veux me voir. Donc vous arrêtez vos affaires là. Je vous préviens en avance.
Si vous êtes au Cameroun, vous me suivez et vous ne voulez pas qu'on fasse un truc au téléphone, vous me laissez hâter, ne me contactez pas. Libérez-moi la ligne. France, je vais te bloquer, ne t'amuse pas avec moi. La semaine où elle dit que le chat est sorti de son appartient intime, la semaine-là, elle a saigné, elle dit qu'il y avait des gros cailloux comme ça dans son truc. Sur sa serviette hygiénique, les gros cailloux de sang. L'année passée, l'enfant est parti composer le BEPC. Il a remis la feuille vierge. Elle est qu'elle a appelé le bureau de quoi là-bas en France, qu'on regarde la feuille de l'enfant. On dit que l'enfant a échoué parce qu'il avait remis une feuille vierge. Elle demande à son enfant que c'était s'est passé comment. Que quand tu composais, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, maman, je ne sais pas. Qu'on a bloqué l'enfant, attaché l'enfant, étourdi l'enfant. Restez là-bas pour dormir. Vous comprenez? Ouais, Seigneur, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'il peut vous dire? Quand vous accouchez, et pour cette femme en particulier, c'est son beau-père, le père du père de ses enfants. Il avait dit, Rora, que over my dead body, que tu vas voir. On vous dit travail spirituel, allez faire le sacrifice au village. Elle ne te dérange pas. Tu vas rester tes affaires. On va te voir au quartier. Ah, il avait l'argent. Les fausses maladies vont commencer à venir sur toi. Ah, j'ai mal au dos ici là. Et mon genou. Je ne sais pas, mais. Une me parle aujourd'hui, elle me dit que. Elle a une grande école d'esthétique à Paris. Elle a les amis, ses amis, qui sont à l'école ensemble. Ils ont des grands salons d'esthétique. Ils sont à leur compte. Mais elle dit qu'elle se lève le matin, elle dit que je vais faire ça, ça, ça. Après une fatigue, la prend comme ça, la mouffe midée. Elle se couche, elle dort. Elle reste comme ça, elle regarde Netflix. Elle reste comme ça. C'est à 16h30 qu'elle se lève. Et vous savez qu'à 16h, tout est féminin. Vous savez, non? N'est-ce pas? La lourdeur, voilà de tes blocages. La lourdeur. Tu peux tout faire à la maison. Tu vas aller nettoyer ceci, tu vas aller faire cela, nettoyer le plafond, nettoyer ceci. Quand il faut prendre ton cahier pour finir tes études d'infirmière, là, tu t'assois devant le cahier, tu dors. Tu dors. La femme dont je vous parle du fils ici, là, elle me dit que l'internat là où elle a mis l'enfant, il était dans une tétutesse et un étourdissement qu'elle ne comprenait même pas. On a fait le premier lavage sur l'enfant. Sacrifice sur l'enfant. Hier, elle me fait les captures d'écran de la conversation avec l'enfant. L'enfant dit qu'il comprend maintenant l'école, que l'école ça va. L'enfant que chaque fois qu'on demande que ça va, il dit maman, je ne sais même pas. Et quand on te bloque, on fait le genre que quelqu'un va venir te dire que je vais te bloquer. Tu vas écouter ça, tu vas dire. C'est 5 ans plus tard que tu vas dire que.
Bonsoir la reine Marie. Reine du ciel. C'est là que tu vas dire que le père m'avait dit que il y a cela 5 ans, il m'avait dit qu'il va me bloquer. Mais comme tu étais simple, ton plus plus. Trois garçons sont déjà venus te fiancer, ils t'ont laissé au pays. Tu es ingénieur. Hein? Tu es ingénieur. Mais tu es ménagère chez tes gens. Tu as fait ingénieur au pays. Tu arrives en Europe. Te voilà en train de nettoyer les bureaux. Tu nettoies le sol. Une m'a parlé aujourd'hui. Ma mère et mon père n'ont pas vécu ensemble. Oui. Ils sont séparés. Depuis 2 ans, je suis avec un homme, il est au Cameroun. Ça fait 1 an et 4 mois qu'on ne s'est pas vu physiquement. J'ai accouché son enfant, l'enfant a 4 mois. Il m'a énervé parce qu'il a pris notre famille, il l'a mis à la maison. Il dit, ma chérie, tu t'attendais à quoi? Ta mère et ton père n'ont pas été ensemble, hein, ton. Donc voilà, tu as accouché, tu te sépares du père de l'enfant. Tu ne vois pas que ce qui se répète? Tu ne vois pas un cycle répétitif quelque part? Blocage. Blocage. Et c'est que vous n'aimez pas la vérité. Tu as fini l'école depuis 8 ans maintenant. Tu as cherché le boulot jusqu'à... C'est fini, tu ne veux même plus. Te voilà. Ben Jeffrey, je n'aide pas les gens. Je vous conseille que tu peux mettre mes conseils en pratique. Je n'aide pas les gens. Bonsoir YouTube, merci pour le like. Facebook. Les soirs, vous devez partir sur YouTube. Parce que j'avais commencé à faire mes vidéos sur YouTube. J'ai fait que ça depuis 3-4 jours. Vous allez rester souvent ici pendant 5 jours, vous n'allez rien voir. Vous allez aller me chercher sur YouTube. Chantal, je prie que ton fils guérisse. Nous déposons la santé sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Tu commences ton travail. Un autre signe de blocage est, tu prévois que quand on va me payer le premier, je vais prendre l'argent là, je vais acheter tel produit spirituel. Le 31 à minuit, tu as un problème. Ton frère est malade, il faut l'opérer d'urgence. Il n'y a que toi qui peux envoyer l'argent. Tout l'argent de ton travail spirituel part maintenant que sur ton frère. Blocage. Blocage. Ton mari n'arrive pas à trouver le boulot. C'est pas seulement lui qui est bloqué, toi-même tu es bloqué. Aujourd'hui. Ah. La façon dont l'ennemi a fait, l'ennemi travaille avec la société. On vous fait croire que c'est normal. Mais c'est normal. Tu dois quand même prendre un peu de temps. Oui, genre 8 à 10 ans avant de trouver le. Non. Arrêtez ça. Quand tu arrives ici, tu dois faire au moins ce 5 ans avant d'avoir tous tes papiers. Tu vois.
Tu as accepté jusqu'à... Tu es en mode blocage, plus, 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 plus. Donc, je vais arrêter ça. Je vais arrêter le direct ici. Je vais aller sur YouTube. Ceux qui sont ici, si vous voulez continuer à écouter ce qu'il y a dit, vous partez sur YouTube et écoutez ma vidéo. Basculez, vous partez sur YouTube. YouTube a été dépassé. C'est le même nom sur YouTube. Et si vous avez assez, vous m'avez assez écouté, vous pouvez partir. Voilà. Cherchez YouTube. Là, je vais vous donner des astuces pour vous débloquer. Je vais parler des bains de romarin pour les bains, bains, bains là. Connectez, je vais vous donner 2 minutes pour aller sur YouTube. Je vais vous donner les bains, les astuces, les versets bibliques. Allez-y. Quittez de Facebook pour partir sur YouTube. Je vais arrêter la vidéo si bientôt. YouTube a le même nom que Facebook. The Gift Digger Academy. Si vous ne pouvez pas l'autre là, vous laissez. Parce que vous êtes souvent très paresseux. Très, très paresseux. Un degré de paresse là qui ne comprend pas. Il ne sait pas qui est votre mère. Ou qui est votre père. Bonsoir Dorine la Gabonaise. Bon, il y a 6 personnes sur YouTube. On va lancer YouTube bientôt. Basculez, vous allez sur YouTube. Prenez votre wang ici. Prenez le wang ici. Voilà, je vais vous commencer à monter. Entrez, vous likez la vidéo. N'oubliez pas le wang ici. Prenez le wang ici en sortant. Voilà. Bienvenue sur YouTube. Vous devez vous habituer à venir sur cette plateforme ici. Voilà, bonsoir Elvin. Dès que vous entrez, vous me donnez un commentaire, vous me dites bonsoir. Sors de la page si tu passes sur YouTube, non. Sur YouTube, tu écris The Gift Digger Academy, non. C'est très simple. Sur YouTube, tu écris The Gift Digger Academy. Clique, tu vas voir ma photo là-bas. Bonsoir Pierre, bonsoir Val, bonsoir Mawene, bonsoir Sobelle, mes beauty. Voilà. Bonsoir Tala, bonsoir la maison des belles gosses. Le Wangis, c'est le foulard. Demandez que Wangis, c'est quoi? Vous m'amusez. Bonsoir, bonsoir. Laissez-moi des likes sur YouTube. Je vois 28 personnes et je ne vois que 4 pouces. Mettez les pouces d'abord. Voilà. Vous devez soutenir ma chaîne aussi. Soutenez ma chaîne. Voilà. Bougez d'ici, vous partez sur YouTube. Je sais que vous êtes très paresseux. Facebook, vous êtes très paresseux. Pas sur l'application YouTube, tu écris le nom de Gift Digger Academy. Tu écris ça dans YouTube, tu vas me trouver. Yay! Bon. Si vous me recevez sur YouTube, écrivez seulement. Voilà, bonsoir la reine Marie Blanche. Activez vos notifications, parce que je vous ai prévenu déjà que les soirs, je vais passer en direct sur YouTube. Bon, je vais donner les astuces maintenant. Quand tu sais que tu es bloqué, quand tu te rends compte que tu es bloqué. Tu es bloqué aussi quand tu sais que tu as de la peine financièrement. Bonsoir Alexandria. Bonsoir Nalov. Voilà, il faut commencer à augmenter. Bonsoir. Bienvenue. Vous voyez que c'était facile à trouver, non? The Gift Digger Academy sur YouTube, c'est tout. Le signe de blocage, c'est quand tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins toi-même. Tu es toujours en train de demander ou en train de planifier que telle personne va t'aider,
Tu vois, quand tu penses, ok, je vais faire mon visa pour aller dans tel pays, tu dis, ah, je n'aurai pas l'argent. Après, il faut que je paye mon loyer, ah, je n'aurai pas l'argent. Tu es sans cesse dans la peur. Oui. Tu as peur. Sans cesse, tu es dans la peur. Bon, Facebook, au revoir. Je crois que vous avez prévenu que j'ai arrêté Facebook. Je continue ici, là. Et j'ai donné les astuces pour le lavage, les bains qu'il y a à faire. Bonsoir, Augustino. Donc, tu as constamment peur, voilà, la peur du manque. Quand on reste, par exemple, voilà, le mois prochain, tu vas payer ton loyer le 5. Tu dis, ah, je vais faire comment pour payer le loyer. C'est ça. Ça, c'est un signe de blocage. Quand tu manques, tu manques. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Maintenant, quand tu te rends compte que tu es bloqué, ok, tu te reconnais dans un des signes que je viens de dire. Genre, vous avez les gens de ta promotion, les gens avec qui vous êtes partis à l'école, vous avez fait étudier les mêmes choses. Ils ont là conçu trois immeubles. Tu pars chez eux les visiter. Ils te proposent même d'être ménager chez eux. Alors que vous êtes allé à l'école ensemble, vous avez le même niveau. Mais ils te dépassent. Tu es bloqué. Tu es bloqué. L'une des choses que l'ennemi n'aime pas, c'est d'abord ta persévérance. Tu dois être intensément, profondément déterminé. Loli, ou c'est Loti, tu dois acheter, peu importe le prix du sel, achète le sel. Le produit spirituel n'est jamais trop cher. Donc j'ai dit la première chose, c'est que vous devez être intense, une personne de prière. Donnez-moi les likes pour ma vidéo, s'il vous plaît. Il y a 50 personnes, donnez-moi 50 pouces. À moins que vous ayez des certificats qui est venu sur YouTube. Donnez-moi les likes pour ma vidéo, s'il vous plaît. Vous devez aussi soutenir ma chaîne. Parce que je sais que vous là, je ne sais même pas comment vous êtes. Je passe mon temps à vous donner les astuces qui vont vous aider. Quand les gens vont raconter des conneries, les trucs qui vont monter leur scène, leur fesse, on va parler des trucs où on mange les excréments des gens. Vous allez venir liker, partager. Il faut apprendre à aimer votre prochain. Ce que je vous dis là, j'aurais pu utiliser ça moi-même, j'avance seul. Bonsoir la reine Victoire. Donnez-moi vos noms, ceux qui sont connectés. Bonsoir Jenny. Donnez-moi vos noms, quand vous entrez, donnez-moi votre nom. Bonsoir la reine Marie Gladys. Marie-Blanche. Merci pour les likes. J'ai 33 likes, je dois avoir 58 likes. Chaque fois que vous entrez dans ma vidéo, prenez l'habitude de liker. Ça supporte ma chaîne. Et vous vous abonnez, vous mettez les notifications. Quand je fais le direct, vous pouvez entendre, vous voyez. Bonsoir Espérance. Bonsoir Youssouf. Miguelita. Hein, Ericia, tu as changé ton nom sur YouTube. Adelmo. Bonsoir Jolie. Bonsoir la reine Chantal. Dejim. Elvin, Elvin, tu es pleine de lumière, vraiment. Mad Louis, si vous me donnez vos vrais noms, ce sont vos vrais noms. Elvin, je vous ai vu beaucoup. Evelyne, je pense. Ou Elvin, il y a beaucoup de. Tu as une personnalité de fleurs. Tu me rappelles la joie aux gens. Yasmina, bonsoir. Tiomo Viviane.
Tiomo Viviane. Tiomo, Tiomo, où sont tes parents? Amel Atangana. Ta famille n'a pas beaucoup travaillé sur toi, Amel. Même sur eux-mêmes. Donc vous êtes tous bloqués dans votre famille. Et Yinga Marise Europine. Et Yinga, tu es en Europe ou bien tu es en Afrique? Vraiment, tu étais simple avant. Et tu ne. Financièrement, tu as aussi beaucoup peur, Yinga. D'accord, si tu n'arrives pas à liker, c'est pas grave. Mbondo Carole. Nettoyer la tombe de quelqu'un au village, tu dois faire ça, Mbondo. Kamba félicité. Adèle Ngonjok. Ngonjok. Je crois qu'on a pris un peu de ton intelligence, ce qui fait que ce que tu as fait à l'école, ce n'est pas ce que tu fais dans la vie. Captain Robert, comment tu vas me parler? Adèle Negroba. Adèle Negroba, étoile, ton étoile est restaurée. Beaucoup de doutes, manque de confiance en soi, Adèle. Julienne Montam. Frustration aussi chez toi, Julienne. Je ne sais pas si c'est parce que tu as grandi avec les parents, avec les personnes avec qui tu as grandi, on t'a beaucoup frustré. Le roi Captuan. Extérieurement, tu es bien le roi Captuan, mais tu n'aimes pas dépenser ton argent. Tu n'aimes pas. Tu ne reflètes pas ce que les gens voient en toi. Comédienne. Koumi. Elvira Moukam. Bonsoir. Elvira Moukam. Elvira Moukam. Elvira Moukam. Ta grand-mère maternelle. Si elle est déjà morte, si elle n'est pas encore morte, envoie-lui un cadeau. Si elle est déjà morte, on voit qu'on part sur sa tombe déposer la nourriture pour toi. Félicité qui? Pierre qui? Ngondongo Cécile. Tu aimes beaucoup aider les gens, Ngo. Beaucoup. Maintenant, je crois que tu veux savoir des problèmes dans le ventre. Ça te ralentit beaucoup. Ton bon cœur fait que tu es trop. Tu es un peu simple, simple avec les gens. Ils abusent de ta confiance. Dormo Angèle. Dormo Angèle. Tu as beaucoup négligé le travail fait au village. Dormo. Tu as négligé. Miguel Ericia Akiko. Tu te retiens, tu te laisses un peu retenir les choses qui te retiennent et tu permets à ces choses de te retenir. Tu devrais normalement être 100 fois plus loin que là où tu es, mais tu as peur. Tu te laisses retenir, Ericia. Gembon Maïbene Andine. Gembon. Très simple, très gentil, Gémon, trop gentil même. Et les gens en abusent. Ne parle pas trop, ne révèle pas trop tes choses aux gens. Tais-toi. Corizita Magali. Corizita Magali. Likez ma vidéo. J'ai 45 likes. Augmentez mes likes d'abord. Vous devez mettre 50 likes. Likez ma vidéo. Et Inga, si tu n'as un pays arabe, c'est encore plus grave. Vous avez m'enlevé un like. Likez ma vidéo, pardon. On doit arriver à 50 likes. Likez ma vidéo. Likez ma vidéo. Bonsoir Jeanne et Lilienne. On arrive à 50, je continue. Voilà. Mettez vos noms alors.
tu es. Je ne sais pas si tu es allé très loin avec l'école, mais tu aurais pu aller plus loin que ça. Et ta famille n'a pas beaucoup travaillé sur toi. Ta tête a été bloquée vraiment. Gondongo, Cécile. Dans ta famille, ils ne sont pas trop intéressés autour des ancêtres. Maintenant, tu es en train de progressivement les amener là-bas. C'est toi qui vas délivrer ta famille. Victoire Cagny. Laura Capchuan, qu'est-ce que j'ai même dit pour toi? Ah oui, ton apparence, tu es quelqu'un de très bonne apparence. Tu as un peu peur, financièrement tu as un peu peur, quand ton argent est sorti tu as un peu peur. Oui. Et pourtant, dans ton énergie, tu as beaucoup d'argent. Donc tu devrais avoir plus confiance, lance-toi. Simé Jomo, très intelligente à l'école, bloquée. Si toute la famille est bloquée, débloque-toi d'abord toi-même. Débloque-toi d'abord toi. Laisse la famille, débloque-toi d'abord toi. Mon numéro de téléphone, j'en ai mis un. Prends le point noté, je vais te donner. Donc, Valentine. Je ne sais pas si tu as beaucoup perdu dans le passé, beaucoup d'argent, tu sais pas. Tu as commencé beaucoup, tu as échoué. Fais le lavage et au village aussi, tu peux lancer la poule. Dé. Vélène Fengé. Tu n'as qu'à. Donnez-moi le truc et vous me donnez votre pays. Parce que le pays m'aide aussi à être plus précis sur vous. Parce que quand il fait les lectures d'Aura, je vois la photo, le nom, la localisation géographique. Ça donne beaucoup de détails sur la personne. Tu es où, Viviane? Tu as quel âge? Si vous avez écrit une question, prenez la question, vous la reposez, s'il vous plaît. Reposez la question. Il faut aimer Belgique. Voilà. Quelques ralentissements. Tu dois faire attention parce que tu es limité par le boulot que tu peux faire alors que tu vises grand. C'est ce qu'il y a en Belgique là. Ouf, l'Allemagne, c'est grave. Chris. Le numéro de téléphone, c'est le 00237 693 50 22 66. Rodrigue Feuo, esprit de manque, beaucoup. Je vois aussi un peu tes ailes sont coupées, Rodrigue. Tu veux faire plus que ce que tu fais actuellement, mais tu es un peu bloqué. Oui, le roi Capchon. Tu es quelqu'un de très sociable. Prends le kit célébrité, tu fais, ça va beaucoup t'aider. Tu es quelqu'un, tu es censé te connecter aux gens, le roi Capchon. Et bon guérit. Oh Seigneur. Les lectures d'énergie sont très difficiles. Hein. On va arrêter comme ça pour ce soir. Demain encore. Parce que là, vous allez voir, j'ai les yeux qui veulent dormir. Je suis dans mon œil. Jesus, le sommeil. Jesus. Vous voyez ça? Mon gars est dormi. Il sommeille. La reine Ericia, tu es retenu par quelque chose. Tu devrais faire plus que ce que tu en t'es fait actuellement, mais tu te laisses
ralentis et tu donnes comme excuse en fait. Donc vous n'avez même pas pitié de mes yeux qui sont rouges. Vous-même cela. Laissez-moi pas dormir donc. Je vais faire le direct le matin, je suis en train de faire l'autre maintenant. Non. On va se donner rendez-vous demain. Je crois que YouTube, comme il n'y a pas encore trop d'abonnés, ça me permet quand même de lire. Faites l'effort, vous mettez vos photos de profil sur YouTube, ça va beaucoup m'aider. Parce que quand il n'y a pas la photo, c'est très difficile. Quand tu mets la photo, je vois ton nom, tu me donnes le nom, le pays, pas rapidement, c'est plus facile. Tu vois, par exemple, je lis Fabulous. Si c'est toi qui es sur le truc là-bas, Mengon Motué. Tu es très entrepreneur, tu as tes trucs que tu veux lancer depuis. Depuis que tu es jeune, tu connais que tu seras célèbre. Mais ta famille a toujours retenu, t'a toujours retenu. Il va falloir que tu te fasses confiance et que tu te jettes vraiment, que tu crois totalement en toi. N'attends pas l'approbation de quelqu'un. Bon, je vais continuer ce direct demain pour les blocages. Parce que je crois qu'on a fait seulement les lectures. Il faut que je parte dormir, ok? Je vous remercie d'avoir regardé. Demain. Donc, je vais commencer à faire les directs maintenant plutôt sur. Donc, nous aurons rendez-vous demain, 19h. Vivienne, alors, bye bye.